Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de coffret célébration. Donc ça c'est le deuxième coffret de Zacian que j'ai et c'est le dernier coffret célébration que j'ai. Et j'ai pas d'autres produits pour l'instant de célébration. En attendant de voir si j'arrive à avoir des mini tins ou autre chose. Donc je vais essayer de voir dans des magasins. C'est pas sûr. Donc, soyez patient ou de toute façon, je ferai d'autres ouvertures de Pokémon, c'est pas grave. On verra. Et donc, pour les nouveaux, pour les personnes qui tombent sur la chaîne par hasard, je vais vous faire la présentation du coffret. Et donc, coffret célébration. Collection avec pins de luxe de Zacian. Donc on a 4 boosters célébration et 2 boosters de style de combat. Une carte promotionnelle réinventée de Zacian et un pins que je vais vous montrer. Il a une particularité. Donc le coffret, il est bleu métallisé en haut, gris métallisé en bas. Et on a tous les starters des différentes générations qui sont représentés sur tout le contour. On les voit mieux en blanc. Donc, derrière, donc on a Zacian et on a, si vous voulez faire pause et lire, voilà, je vous laisse. Et on a tout ce que contient le coffret. Donc on va s'ouvrir ça. Et on a aussi un petit lexique, on va dire. Un petit speech par rapport à la carte et par rapport au Pokémon niveau X. Donc je vous lis pas, je vous laisse faire pause et lire par vous-même. Et on a une représentation de la carte ici, de la carte promo. Par contre, dans celui-là, il n'y a pas de jumbo card. Donc, on ouvre le coffret. On a la carte, je vous la montre de plus près, la carte promo de Zacian niveau X. On va mettre ici. Nous avons le pins qui, hop, là c'est Pikachu surfeur et Pikachu volant. Donc voilà. Et il est tenu par deux pics. On va mettre ici. On va zoomer un peu pour faire l'ouverture des cartes. Donc, 4 boosters de célébration et 2 boosters de style de combat. Voilà. On va commencer par les 2 boosters de style de combat en espérant avoir quelque chose d'intéressant dedans. Je vais ouvrir un peu plus parce que c'est un peu serré. Donc, et 4. On commence par une énergie feu. Pérégrin. Mustard, style point final. Nosferalto. Chétiflore. Onyx. Piafabec. Gripate. Lixi. Nous avons en Rare Reverse Bettochef. En Rare Reverse Bettochef. Et une simple rare Dolman.
On va sliver la rare reverse. Voilà. Premier booster, deuxième booster. Donc la carte promo, la carte code. 1, 2, 3 et 4. Une énergie eau, non, énergie plante. Donc Chaffreux. Bloqueur d'outils. Nosferalto. Ferro-singe. Ramolos de Galar. Mimantis. Très belle illustration. Remored. Osselet. Osselet. Nous avons en peu commune reverse Corbos. Et nous avons une simple rare de Scolossandre. Ok. Pas fameux. Ces deux boosters de style de combat. Hop. Et donc, le plus important sont les boosters de célébration. Allez, c'est parti, mon kiki. Premier booster. N'hésitez pas, si vous tombez sur ma chaîne par hasard, à vous abonner et activer la cloche de notification, à laisser un pouce bleu, un commentaire, ça me fait vraiment très plaisir. Et je lis les commentaires. Et j'y réponds aussi. Donc n'hésitez pas. Ça me ferait très plaisir. Donc là, il n'y a pas de manipulation à faire. La troisième carte peut être une réédition. Et la quatrième, une V. Ou rien du tout. On peut avoir que 4 cartes rares holographiques. Qui composent le set de 25. Donc Cosmog. Lugia. Groudon et on a Pikachu, le gros Pikachu que je n'avais pas, du tout. Par contre, il y a un petit défaut sur la carte, on voit pas bien, mais il y a des traits, traits dus à la machine. Mais je ne l'avais pas. Donc premier hit, on va dire. Même si c'est pas vraiment une secrète, c'est une carte du base de 7, on va dire. Des 25 premières cartes. Et c'est celle qui tombe le plus souvent. Normalement. Donc, deuxième booster. Alors. Cosmovoom avec la petite Lily qui dort. Nous avons Groudon encore. Nous avons là par exemple, je n'ai rien. Kyogre et en quatrième. Nous avons Pikachu Surfer V que je n'avais pas non plus. Ça tombe bien. Deuxième hit, deuxième booster. N'hésitez pas à checker mes autres vidéos d'ouverture de coffret célébration. Pour voir les drops que j'ai eu. Ou les pioches, c'est comme vous voulez. Les pioches ou les drops. Et vous pouvez voir que Lancerien n'a pas été très gentil avec moi. Donc, on y va. Oh oh. Groudon. Reshiram. Et Pikachu Surfer. Il faut le faire. Hein. Deux Pikachu Surfer dans le même coffret. Lui aussi, il sort assez souvent. Surfeur, ballon, ce sont des cartes qui tombent assez régulièrement. Et ça, c'est pas des secrètes. Donc là, pour l'instant, j'ai que des cartes du set de base. Et j'ai pas de secrètes. Donc, dernier booster, en espérant qu'il soit plus gentil avec moi. Hop. On y va. Lugia. Zekrom. Ah yes. Électeur de roquette que je n'avais pas non plus. Et une simple rare de Mew. Donc
J'ai eu qu'une seule carte secrète sur 4 boosters dans ce coffret. Mais Elector, ça va. Donc je suis quand même un peu content, malgré... J'ai quand même eu trois nouvelles cartes, en fait. Donc voilà, ça sera tout pour cette ouverture. Et je vous dis à une prochaine vidéo, en espérant récupérer d'autres items de célébration. Donc voilà, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je tiens à signaler que c'est pareil, je vais faire un concours simplement quand j'aurai atteint les premiers 500 premiers abonnés. Et donc je prépare les lots. Il y aura trois gagnants et chacun, il me semble, seront certainement contents des lots. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie, bye bye.